Salut tout, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur BioShock, jeu auquel j'ai eu l'occasion de jouer un tout petit peu sur PS3. Là, je suis sur la version de PC, c'est quand même mille fois plus pratique pour filmer. Je vais redécouvrir avec vous, c'est pas sûr que ce soit exactement le. A priori, ça va être le même univers, mais il y en a eu plein dans la série. Donc, ça va pas forcément être la même histoire, du moins, j'espère. C'est un des rares jeux auxquels j'ai accroché sur console, donc ça devrait me plaire sur PC. On va commencer tout de suite. Premier épisode, il y en aura d'autres si jamais ça me plaît. Alors, j'ai l'impression que ça ne change rien. Donc on va rester au même niveau. De toute façon, pour les besoins de la vidéo, il vaut mieux que ce soit plus éclairé que sombre, au cas où vous n'ayez pas les mêmes réglages de luminosité. Alors, on va rester en moyen, hein. J'ai pas envie de me. Je me dis que, ouais, à gâchette PC, je suis suffisamment bon. Difficile, vétéran en quête de défi. Là, ça m'effraie. Et survivant, chaque balle compte. Alors, saviez-vous que 9 femmes sur 10 préfèrent les hommes athlétiques? Réclame pour le fortifiant génétique sportive. C'est de la pub. Donc, on est dans un univers très particulier. Une dystopie, c'est. Bah, on va suivre plutôt. 1960, au beau milieu de l'Atlantique. Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison. Eh bien, visiblement, ça a mal fini. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est là qu'ils vont me demander de bouger. Alors, petite pause. Les touches. Commande. Commande. Si vous risquez de prendre. Ouais, mais je peux pas me déplacer, oui. Avancer Z. Reculer S. Pas à gauche Q. Et D. On est d'accord. Sauvegarder. Appliquer. Retour. Continuer. Ok. On vient d'échapper au crash. Échapper, c'est un bien grand mot. Je sais pas exactement où je peux aller. Est-ce que je peux monter? Je dirais pas. On va continuer tout droit en espérant que ça brûle pas jusqu'à nous. Oh là. Eh bien, je crois qu'on a trouvé un refuge. Heureusement qu'on s'est échoué juste à côté du phare. Échoué, craché. Eh bien, rentrons à l'intérieur. Ah! Ça, c'est flippant. Oh, il y a la lumière au moins. No God or King, only man. Pas de dieu, pas de roi, seulement des hommes. Pour comparer à la version que je connaissais déjà, les graphismes sont très jolis. J'ai la possibilité de sauter, on va éviter de sauter tout en bas. Je sais pas
quel point est sensible la manette. Ok, il y a une espèce d'homme poisson. Et des détecteurs. On est en 1960 quand même. Visiblement, il maîtrisait bien. Il y a une espèce de bruit sourd. On dirait quand même un véhicule de secours, hein. De la bathysphère. Service radio. Ok. Je crois que c'est un symbole communiste, la machin rouge. Ah. Des flammes sur vos doigts. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit ? Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou. Cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs. Où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine. Où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Donc en fait, ils sont pas communistes. Quand j'ai vu le début de la vidéo... C'est peut-être un accident d'avion. Enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... tomber par hasard sur vous en avion ? Bah... Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein ? Je le sais parce que le bathysphère descend. Il y a un peu de hasard là où il était. Et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. Ah ! J'étais repéré. C'est chouette d'avoir les audios en français. Et les textes. Curieusement, tous les trucs des bâtiments restent en anglais. Ou peut-être dans la langue locale. Si de temps en temps on visite d'autres lieux. Mais à mon avis, la majorité de l'aventure va se passer à Rapture, la sous-cité sous-marine. La bâtisseur arrive. Johnny, la sécurité s'est déclenchée partout. Reste pas là, vite. Bonjour. Oui, je suis le survivant. Oh, j'ai même pas regardé s'il y avait d'autres gens. What? What? C'est un nouveau. Je suis pas chaud pour me retrouver avec la dame. Les gens qui parpotaient tout à l'heure. Qu'est-ce que. Ok, j'ai une barre, donc j'imagine que ça veut dire que. Prenez cette radio à Hong Kong. Prenez cette radio. Prendre. Je ne sais pas comment vous avez pu survivre à cet accident d'avion. Enfin, les voies du Seigneur sont impénétrables. Je m'appelle Atlas. Ok. J'ai bien l'intention de vous garder en vie. Allez, continuez. Il va falloir vous faire remonter. Hop. Remontez au plus vite. Respirez profondément. Elle est partie. Je ne vous lâche pas d'une semelle. Il va falloir la tirer hors de sa cachette. Mais pour ça, vous devez me faire confiance. Ouais.
J'étais plutôt chaud pour me barrer plutôt que de d'attirer la folle. Au visage tu méfiais? Hein? Vous. Je me fais peur tout seul. Je suis censé faire quoi? M'aventurer dans le noir? Elle va me tuer tout de suite? Oh oh. Non, non, elle est là. Ah. Ok, j'ai une clé anglaise. Il y avait un petit machin qui me protégeait. C'était une caméra, d'accord. Il m'a dit. Ah bah, d'accord. Ok, ça me convient. Il m'a dit de trouver une barre à mine. Ah. J'ai eu le réflexe d'appuyer sur Shift. C'est pas Shift, c'est C. Shift, ça active un autre menu qui pose le jeu. Ok, je tâcherai de m'en souvenir. Laisse-moi tranquille, toi! Saleté! Je suis pas du tout confiant. Petite fille là-haut, je sais pas où exactement. Ah, il y a des choses à prendre. Alors, on peut seulement les manger. Il y a des papiers par terre. On va tâcher de jeter un coup d'œil là-haut. Je pense que la suite c'est par là. Alors à chaque fois je peux juste les manger. Je sais pas si ça présente un intérêt énorme de les manger tout de suite. 946. Poubelle, fouiller, prendre. Ah, là j'ai le choix de pas les manger. Chrosome, grosse brute. Appuyez sur F pour vous soigner si vous êtes blessé. D'accord. Donc comment ça se fait que j'arrive chez vous? J'ai le blabla des habitants et tout. Et puis on rencontre des une espèce de créature monstrueuse et un mec qui m'attaque. Wow, sont flippantes les petites filles. Le mec qui m'attaque, on est d'accord que il est énorme. Bon, à part qu'il a été abîmé, il a l'air normal. Il y a des bruits partout. Mon père est plus intelligent qu'Einstein et plus fort qu'Hercule. Il lance du feu en claquant des doigts. Êtes-vous aussi fort que mon père, monsieur? Pas si vous n'avez pas visité le jardin des glaneuses. Les papas malins vont toujours au jardin. Arc électrique. Je suis censé m'injecter ça? D'accord, et je le fais sans hésiter. C'était le bon truc à faire, ça. T'as entendu ça? Allez, viens, on se tire. Mauviette, t'as qu'une mauviette. Ce petit poisson vaut pas le coup de se cogner un protecteur. Lâche, t'as toujours été lâche. Tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal, ma petite. Tu finiras par boire la grande tasse. Ok. Regarde, monsieur P.
son ventre. Attends, il respire encore. Tout va bien. Je sais que ce sera un ange bientôt. Vous tenez le coup, l'ami ? Le premier plasmide est un sacré choc à encaisser. Cependant, rien de tel qu'une poignée d'éclairs, pas vrai ? Ouais, alors sur le principe, oui. Mais il s'est passé des choses bizarres pendant que j'étais dans les vapes. Donc il y a des pilleurs dans cette zone-là. Ça explique l'état délabré des lieux. Je ne sais pas pourquoi il y a des pilleurs, mais en tout cas il y a des pilleurs. Et il y a une petite fille aux yeux rouges avec un espèce de chien géant, on va dire, qui s'est pointé. Et maintenant, je suis Electroman. Ok. Oh là là. Est-ce qu'il faut que je se passe vite? Est-ce que... Mince. Ouvre-toi. Ah mince, en plus j'ai du mana. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire exactement? Attendre que ça se remplisse ou y a un... Y a un truc à faire là? Je suis un peu perdu. Une décharge électrique dans l'eau. Je peux grimper sur l'avion pour passer de l'autre côté. Il y a quoi de l'autre côté? Je sais même pas trop. J'ai l'air d'avoir de la marge. Ah, j'ai ma manivelle aussi. Ah bah, peut-être que ça suffit. J'ai besoin de passer. Ah, on passe là, ok. Porte de secours. Oh là 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 là. En train de se gonfler d'eau. Celle-là aussi, mon dieu. Vita chambre. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? M. Si vous êtes tué par des autochtones de rapture, vous serez instantanément reconduit à la dernière vita chambre que vous avez croisée. Une partie de votre énergie est rétablie et vous avez une quantité d'aide minimum. Vita chambre fonctionne automatiquement. Inutile de chercher à les utiliser ou à les activer. C'est... le système de checkpoint. Très bien. Qu'est-ce que c'est ça? Seringue dev. Ok. Airlock active. Je pense que ça veut dire qu'on peut pas passer. Hop. L'eau par ici. Bonjour monsieur. Vous êtes mort. Je me permets d'emprunter votre trousse de soins. L'alcool a entraîné une perte de... J'ai bu de l'alcool là. Mince. J'étais un peu vite. Il y a une poubelle encore. Chips, ça fera gagner. Le tabac a entraîné une perte de santé, mais un gain d'ev. Ok. L'alcool et tabac. À la fois c'est bon, à la fois c'est pas bon. Faites une combinaison. Électrocutez-les avant de les assommer. Vous ferez d'une pierre deux coups. Ok. D'une pierre deux coups. Je voulais juste un peu de compagnie. Il est sorti de par là. Ah d'accord. Je suis désolé hein. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire taper dessus visiblement. Hey, me cassez pas le truc. Ça a l'air de marcher. Il était carbonisé lui.
Bon, il avait l'air agressif, hein. Je suis désolé si je tue des gens qui l'ont pas mérité. S'ils ont l'air agressifs, je me permets. Ok, il n'y a rien par là. Ok. Ah, quand on est accroupi, on marche pas tout à fait droit. Ok. Il kiffe les machines automatiques, hein. J'ai 5 seringues. J'ai oublié comment utiliser les seringues, mais c'est pas grave. Je veux les faire sortir d'ici, cependant, les chromosomes m'empêchent de les rejoindre. Si vous pouvez les rejoindre au trésor de Neptune, alors que, peut-être, vous pensez certainement que vous êtes l'homme le plus malchanceux de la Terre en ce moment. Mais vous êtes mon seul espoir de revoir un jour ma femme et mes enfants. Allez au trésor de Neptune. Trouvez ma famille. Je vous en supplie. Au trésor de Neptune. Suivez la flèche de Kit vers votre objectif. Femme qui chante. Il faut que j'aille par là. Je vais juste jeter un coup d'œil par ici. Bon, je peux pas. Je peux pas faire autre chose que tenir un objet dans la main, je peux pas venir avec des intentions pacifiques, mais. Bonjour madame. Non, 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 non. Non, 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 madame. Madame, laissez-moi tranquille. Oh. C'est un pistolet, son bébé? Appuyez sur pour sélectionner l'arme suivante. Ok, sinon il y a marqué 1 et 2. Je sais appuyer sur les touches 1 et 2. Merci bien. Alors, restaurant du Cachemire. On peut pas ramasser les chapeaux, c'est pas du customisable. On peut pousser les choses. Whiskey Old Town, mais Merlot d'Acadie. Qu'est-ce que c'est? Une bouteille de whisky Old Tom restaure quelques points de santé, mais draine une petite quantité d'Ève. Comme toutes les boissons et la nourriture, elle est consommée dès que vous la prenez. Ok. Ouais, j'ai jeté un coup d'œil au bon moment. En effet, on perd. C'est un échange. Journaux. Ah, des dollars. Un dollar. Ok, là j'ai tout visité. What? On dirait des souvenirs. Alors, toilette. Trousse de soins. On peut utiliser les toilettes, d'accord. Ok. Whiskey Old Town. Hop. Je ne l'ai pas touché. Hey! Il y a du monde dans les environs. On va passer au. À l'électrique. De là-dedans. Vous croyez que c'est une enfant, n'est-ce pas? Ne vous méprenez pas. C'est une petite sœur maintenant. Quelqu'un a transformé cette gentille fillette en monstre. Oubliez le bien et le mal. Ces vieilleries qui viennent de la surface. Ici-bas, dans Rapture, ça n'a aucun sens.
Ma team ding dong. On est de l'autre côté, on va dire que ça suffit. Hey! Oh oh. Ok. Je pense que c'est ça qu'on appelle les protecteurs. Oh ouais. Il va nous péter la vitre ? C'est un protecteur. La petite elle récolte la plante. Et lui, il la protège. Ok. Cadenas. Comment je fais avec ça ? Ok, oui. Appuyez sur P pour sauvegarder votre partie. Je suis censé sauvegarder. Nouvelle sauvegarde. Ok, sauvegarde en cours. Ah, c'était bien rapide. Oh, pistolet. Du coup... Non, j'en ai pas plus, j'en avais déjà un, ça me suffit. Ah, on peut pas viser avec le pistolet, donc il va falloir que je mise... sur cette petite cible. J'ai pas eu encore besoin de m'en servir. Les portes s'ouvrent toutes seules. C'est particulier. Il y a toujours plein de morts. Un checkpoint. Ça va, ça se fait. Oh yes, elle avait des munitions pour pistolet. Je devais pas me résoudre de tuer des gens, mais... Soren Dev. Il y a du monde en bas. Là, il y a un pilleur. Ok. Ah, on voit deux d'un seul coup. Parce que ça les tue. Ok, et après moi je peux aller dans l'eau quand même. Peut-être qu'il vaut mieux pas être là en même temps qu'eux. Oh, elle était riche la madame. C'est madame qui a des pistolets et de la thune dans ce jeu, j'ai l'impression. Alors, un checkpoint. Essaye de pas louper trop de choses. On est pas censé passer par là. Oh, c'était les toilettes. Non, c'est d'autres toilettes. Ah. Wow. Oh. Ah ouais. C'est beaucoup trop fort ça. Qui utilise un lance-flamme? C'est pour moi le... le truc avec le lance-flamme? Là, j'ai fait sneak sans faire exprès. Appuyez sur F pour vous sauvegarder. D'accord, c'était ça qui me manquait. Ça peut aller vite la perte de vie quand même. Chromosome armé. Il y avait surtout des dollars visiblement. Est-ce que... ouais, je peux recharger. On va repasser à la décharge électrique, c'est pas mal fort. Ah,
Ah, c'est ouvert par là maintenant. Ok. Ok. Ah. André Ryan. C'est lui. D'accord. Ah, je peux pas faire ça. Vous allez m'ouvrir ou je vais devoir les tuer? Ah, j'ai encore appuyé sur Sneak. C'est bon. Il y a des gens qui ne sont pas des pillards et qui ne m'apprécient pas, visiblement. Viser la tête, vous ferez plus de dégâts. Eh ben, j'ai expérimenté avec la dame... Toi, il y en a où il fallait que je mette 3 tirs de pistolet. Et la dame... C'est vrai que je l'ai headshot la première que j'ai affrontée. La première dame... Oh oh... Désolé. Alors. Cette trousse de soins, j'en ai 8 sur 9. On va éviter. Vodka. Munitions pour pistolet, je peux en acheter. Voilà, on va dire pour le principe. Pour voir la carte, les objectifs. Ok. On vient de rentrer dans un nouveau... Nouvel espace. Visiblement, on peut pas sortir par la sortie de secours. Alors, journal, maintenir T. Le docteur Steinman a dit que je sortirais aujourd'hui. Ryan n'est pas venu me voir une seule fois depuis l'attaque du Nouvel An. Mais le docteur était au petit soin. Il m'a dit qu'une fois la cicatrice disparue, il allait me retaper en un rien de temps. Ce serait la plus belle. Il est vraiment gentil. Et il s'intéresse beaucoup à mon cas. À ton cas? J'ai l'impression qu'ils font des expériences sur des gens quand même. Bah, rien que les petites filles. On passe pas par là? Visiblement non. Mais si on passe pas par là, on passe par où exactement? Peut-être que... Ah, il y a une salle par là, mais ça m'étonnerait. Distributeur. Pourquoi les distributeurs, ils sont représentés par un clown qui a l'air méchant? Alors, je me demande comment une cité sous-marine arrive à subsister. Comment je passe, moi? Il m'a pas dit. Ah là, oups. C'est pour changer les balles et les compétences. Je vois. J'ai pas fouillé par là. Mais y a rien à fouiller. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je pense qu'on va profiter de l'occasion pour s'arrêter là pour ce premier épisode. Moi, pour l'instant, je quitte ce jeu. Donc, il y en aura d'autres. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode.